Salut c'est François, j'espère que tu vas bien. Est-ce que le marché des cryptos est manipulé Est-ce que le marché des cryptos est manipulé pour mettre en place le prochain crash boursier pour un transfert massif de richesses de la bourse aux cryptos Alors tu l'as compris aujourd'hui, c'est une émission euh, No Bullshit, voilà comme on dit. J'ai eu l'idée euh, grâce à mon groupe privé Crypto et à quelqu'un qui a lancé le sujet et j'avais super envie de le traiter un peu plus en profondeur. Avec toi euh, sur ce podcast. Donc au programme, Alors, rapidement, voilà, qu'est-ce qu'une crise Pourquoi euh, une crise va arriver bientôt Quoi faire Parce qu'au final, là, on s'en fout de vouloir euh, prédire exactement quand elle va arriver, mais plutôt de, 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 de se dire bah, quand elle va arriver, quoi faire, et de voir le lien avec les crypto-monnaies. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, et ce que je trouve passionnant euh, dans le sujet. Donc une crise financière bah, ça se produit quand il y a beaucoup d'argent qui a été investi en fonction de faux prix. Voilà c'est vraiment la définition très courte de la crise d'une crise financière économique alors quel que soit le marché mais du point de vue des investisseurs ils se retirent hein, ils retirent leur argent des marchés financiers pour le mettre ailleurs alors soit le garder et le planquer sous le matelas donc là on parle de, de vélocité zéro de l'argent pour le coup ou les placer ailleurs sur quelque chose jugé de plus sûr. C'est là qu'on va aborder euh, le sujet des cryptos, car ça sera la toute première fois de l'histoire que cette innovation est présente euh, depuis la, bah, la dernière crise, quoi la crise des subprimes, la crise de 2008. Alors je vais te faire la version courte, on va pas passer trois heures dessus. Ce qui a causé la crise de 2008, euh, c'était la dette. Et aujourd'hui en 2018, la dette a plus explosé et c'est énorme même comparé à ce qui était présent en 2008. Les marchés sont à un niveau stratosphérique. comme ça, je te laisse même vérifier. Surtout aux États-Unis, d'aller regarder les charts sur le S&P 500, c'est l'indice boursier basé sur les 500 plus grandes sociétés américaines. Elle est au double de ce qu'elle était au plus haut fin 2007 avant la crise. Donc euh, on peut pas espérer neuf ans de croissance sans avoir la moindre grosse correction. On peut pas avoir un bull market sur dix ans. Ça n'a pas de sens même mathématiquement parlant. C'est pas logique. Et, euh, et, et comme dit l'expression, bah, un arbre ne monte jamais jusqu'en haut du, du ciel. Et, euh, et, et tout se déroule comme si bah, les, les milieux financiers se préparaient en fait euh, à une nouvelle crise. Alors, ce n'est pas une question d'avoir raison sur effectivement quand ça va se passer. Mais il euh, y, y, y a quand même, la situation est, est étrange. On, on bat des records sur les marchés, les investisseurs sont tous euphoriques, et c'est un peu calme. Et c'est un, un peu un calme qui fait peur. L'économie actuelle, c'est un peu comme le, le coyote qui poursuit le bip-bip. Il marche sur le vide, euh, au-dessus du gouffre, jusqu'à qu'il s'en rende compte qu'il marche sur le vide en dessous du gouffre et c'est à ce moment-là qu'il se casse la gueule et c'est un peu l'économie actuelle en ce moment et, euh, et le but de cette émission hein, c'est pas de faire peur à qui que ce soit mais il faut être au courant il faut être au courant de tout ça pour que tu puisses réfléchir à comment tu peux te positionner pour faire tes provisions euh, d'ailleurs pas sûr que je donne un, un avis tranché ici, dans cette émission, sur le sujet de, euh, du podcast. Mais je pose la question. Voilà, je pose la question, je donne les infos. Et n'hésite pas, d'ailleurs, à donner ton avis en commentaire, d'ailleurs, parce que, du coup, ça va être intéressant. Mais clairement, euh, il, est, il est plus pertinent euh, de demander ce qu'il se passera et quoi faire plutôt que quand ça va se passer. Et comment, nous, euh, crypto-enthousiastes, allons être affectés par cet événement euh, alors, maintenant, euh, ce dont je, vais, je veux vraiment parler dans cette émission, c'est pourquoi les investisseurs et même une partie du grand public de manière générale pourraient se positionner sur le marché des crypto-monnaies. Alors que traditionnellement, euh, les, les investisseurs, le public va plutôt se diriger vers les, euh, les métaux précieux. Ouais, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors, juste quelques secondes euh, de technique et de comparaison. Alors, déjà, les cryptos, c'est un investissement qui est beaucoup plus facile euh, à se placer ou à s'approvisionner. Voilà, on va dire ça comme ça par rapport aux métaux précieux. C'est beaucoup plus facile à, à transporter. C'est évidemment beaucoup plus liquide. Hein, c'est très compliqué de, de payer en or, en métaux précieux. Et c'est aussi limité en nombre. Donc techniquement parlant, c'est aussi intelligent de voir ça comme une valeur refuge. Mais ma vision... Uh, ma vision, c'est celle-ci, c'est que tout est mis en place, si on regarde bien, pour qu'il euh, qu y ait du gros argent et que les méga riches puissent rentrer sur le marché des cryptos. C'est la question à, à, à un trilliard, c'est comment ça va se comporter, euh, comment le marché des cryptos va se comporter pendant le prochain crash. Si effectivement, euh, c'est plus ou moins manipulé et que le transfert... Euh, de richesse et euh, fait d'un marché à un autre. Alors premièrement, il euh, y a énormément de choses en ce moment qui sont faites pour simplifier l'investissement en crypto, à commencer par l'actualité sur les ETF. Donc si en même temps que cet environnement très propice à la crypto soit mis en place et qu'il y ait un crash boursier à ce moment-là, bah, tout est possible. Tu vois l'idée Donc il suffit que les crypto soient... Euh, soit devenu un tout petit peu plus facile à utiliser, un tout petit peu plus facile à investir dessus. Alors, ça sera une combinaison de plusieurs choses, de plusieurs actualités en même temps. Mais les gens, ils chercheront un, un nouveau refuge. Et si les gens aussi comprennent que le système Fiat, donc la monnaie fiduciaire, n'est pas si fiable et viable que ça, bah, la, la crypto, ça peut être la réponse à tout ça. Et même, il y a une autre hypothèse, c'est qu'après une crise, une potentielle crise qui va arriver bientôt, les États voudront peut-être aussi créer leur propre crypto et utiliser la technologie blockchain, parce qu'ils comprendront bah, qu'il y a plein de raisons. Euh, c'est beaucoup plus scalable, c'est beaucoup plus contrôlable. Donc, c'est des raisons euh, qui font que euh, ça pourrait se passer. Donc, bref, là, on part un petit peu loin dans l'anticipation. Et je t'invite à écouter une vieille émission que j'avais enregistrée un, intitulée Le Bitcoin dans 20 ans. Mais la situation... Elle est telle qu'elle, c'est que d'un côté, on a tout le monde qui s'attend à que ça pète. Il y en a beaucoup même qui attendent que ça, Alors, moi le premier. Et d'un autre côté, il y a plein d'investisseurs qui attendent que le marché des cryptos reparte. Et des gros poissons qui veulent se placer et qui se placent. Donc je pense que le transfert de richesse, avec cette réflexion-là, elle est logique. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu. Hum, j'ai vu un commentaire passer de, de l'illustre Robert Kiyosaki. Alors, je ne te présente pas qui est euh, Robert Kiyosaki, qui s'est exprimé sur le sujet. Je trouve ça intéressant. Donc, là, je me suis noté ça euh, pour, te le, pour te le dire ici dans l'émission. Il a dit en gros que, euh, que le dollar était grillé et que ça sera détrôné par euh, l'or, l'argent et les crypto-actifs. En enfin, fait, même, il a été même beaucoup plus loin, si on regarde les termes en anglais, il a dit que le dollar était une arnaque c'est violent il a dit voilà le dollar est un scam et qu'il était également donc euh, bullish sur les cryptos donc ça veut dire qu'il était vraiment très confiant sur l'explosion des cryptos et personnellement quand on analyse un peu ça quand on regarde véritablement ce que ça veut dire bah il a pas tort c'est même c'est même la plus grande ar arnaque du siècle le dollar et l'argent fiduciaire parce que littéralement on, on donne de la valeur à un bout de papier ça rime à rien en tant que tel et à ce sujet, d'ailleurs, j'aimerais citer un abonné qui avait fait un super commentaire il y a quelques jours sur ma page Facebook, c'est un commentaire de Jérémy. Il a fait un super commentaire et il dit ⁇ Un objet ou une idée n'a de valeur qu'à ce que l'homme veut bien lui attribuer. ⁇ Il s'agit d'un consensus. Un Picasso n'a pas plus de valeur qu'une toile, de l'aquarelle et quatre morceaux de bois. L'homme lui reconnaît pourtant une valeur inestimable. Un billet de 500 euros ne coûte pas plus cher à produire qu'un billet de 50 le coût du papier et de l'encre pour les fabriquer sont dérisoires. D'ailleurs, une, une petite note de, papa, de ma part, je ne sais pas si tu euh, vois ce qui se passe en ce moment au Venezuela et euh, comment euh, se passe l'hyperinflation, mais actuellement, le kilo de tomate vaut 5 millions. Tu, tu vois un peu l'idée le, le, de la chose. Donc, je reprends le commentaire de Jérémy. Pourtant, l'homme le reconnaît une valeur inestimable. Dans ces deux cas, il n'y a pas... De corrélation entre la valeur tangible des objets et leur valeur commerciale. Si les hommes l'acceptent et reconnaissent le bitcoin comme une valeur d'échange fiable de gré à gré et sans intermédiaire, sa valeur commerciale suivra le même chemin que ces deux exemples. Fermez les guillemets. Donc c'est tout à fait ça. Et ça rejoint les propos de Robert Kiyosaki, euh, d'ailleurs qui anticipe aussi euh, une crise. Alors à la fois, euh, il anticipe la crise pour bientôt et il anticipe le transfert massif de richesses entre la bourse et la crypto. Donc pour conclure, euh, bah, c'est une opportunité en or, tu vois, euh, à la fois pour ces messieurs de la finance méga riche, pour transférer euh, leurs gains vers ce nouveau marché des cryptos, donc leur gain de la bourse vers le marché des cryptos, mais c'est aussi une opportunité pour toi. Parce que, après ça, après cette, euh, cet événement-là, bah, le marché des cryptos ne sera plus jamais le même. Donc, et il faut toujours se dire ça à toi au final, parce qu'une crise économique, c'est plus une opportunité qu'un désastre. Il faut juste anticiper le truc, et c'était euh, l'objectif de ce podcast. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches et à liker cette vidéo, à mettre un avis en commentaire, parce que pour le coup, je suis très intéressé. Euh, je te mets aussi quelques ressources. Pertinente dans la description. Et je te dis à très vite pour une prochaine émission.